Bonjour à tous. Je reviens encore dans cette affaire de Simon Adegra et mon fils. Je voudrais dans cette vidéo m'adresser à notre champion, Simon Adegra. Jeune, que Dieu te bénisse. Depuis que cette maman a parlé que tu es son enfant, il y a eu beaucoup de langues. Beaucoup de langues. Aujourd'hui, selon les éléments qu'elle a donnés pour prouver que tu es son enfant, jusqu'à ce qu'on démontre que l'affaire Bekanti est un montage, nous, les observateurs, on se dit que son enfant, c'est Bekanti et non toi. Son enfant, d'après les éléments qu'elle a donnés, ce qu'on voit aujourd'hui, son enfant, c'est Bekanti et non toi, Simon Adegra. Mais moi, ce que je voudrais te dire personnellement, champion, sois Bekanti. Pour cette maman. Tu n'es pas né pour mettre les mamans en prison. Tu n'es pas né pour créer des problèmes aux mamans. Tu es né pour faire les mamans, pour sauver les mamans. Cette maman qu'a écouté est telle profondément. C'est une maman qui a souffert. Dieu te l'a montré pour qu'à travers toi, elle puisse avoir le goût de la vie. Que Dieu touche ton cœur pour cette maman. Tu n'as pas besoin de faire des choses sous la caméra. Mais cette maman, rapproche-toi d'elle et fais quelque chose pour elle. Même son fils Bekanti pense à lui. Sois Bekanti. Sois Kofi Bekanti pour cette maman. Sois son fils. Elle t'aime. Elle t'aime profondément. Ce qu'elle dit, prend ça comme des pleurs. Tout le parcours qu'elle a eu à faire est issu de cela. Si tu reçois cette vidéo, sois Bekanti pour cette maman. Je pense qu'elle t'aime. Dieu, comme elle le dit, Dieu te l'a montré. Dieu ne te l'a pas montré parce que tu es son fils biologique. Mais Dieu te l'a montré parce que c'est une maman que tu peux avoir dans ta vie. Une maman qui peut pleurer sur tes épaules. Va vers elle. Va vers elle. Va vers elle. Merci, champion. Nous t'aimons. Et bon championnat, nous comptons sur toi. Que Dieu te bénisse.